mauvaise graine. J'adore jardiner en cours de sciences nat. Regarde mon tournesol. Le mien a tellement poussé. Il est géant. Tu fais vraiment la tête, toi. Hé, comment va ta flore, hein, Maya? Ça va, elle est en pleine forme. Assure-toi de lui donner beaucoup d'eau. Je sais. Tu devrais peut-être la poser sur une autre table où il y a plus de soleil. Je sais, j'allais justement le faire. On peut t'aider avec ton tournesol. On a fait du jardinage en colo l'été dernier. On a appris plein de trucs. Merci, mais je vais me débrouiller. Votre colo a l'air sympa, mais heureusement pour moi, j'ai la main verte. Les plantes, ça me connaît. J'ai pas besoin de conseils. J'ai peut-être besoin d'un peu plus d'outils de jardinage, par contre. Hein? Où sont passés tous les outils? Les papinuits. C'est forcément un coup de sorceline. Pourquoi elle voudrait voler des outils de jardinage? Elle ne sort que pendant la nuit. Et les plantes ne poussent pas sans soleil. Vous voyez, je m'y connais en jardinage. Je sais pas ce qu'elle mijote, mais ça peut rien être de bon. Pyjamas, qu'on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-yo! Sorceline se trouve quelque part en ville avec plein de matériel de jardinage. Mais où? Un endroit bien vert serait parfait pour jardiner. Le parc à l'Astro-Hibou. J'en sais rien, mais j'aimerais pas avoir cette plante qui pousse dans mon jardin. Hé, regardez, je vois Sorceline. Sorceline, qu'est-ce que tu fabriques? Quoi, vous n'aimez pas ma fleur de lune? J'ai plus besoin de vos outils de jardinage, au fait. Finalement, la seule chose dont ma fleur ait besoin, c'est d'être exposée aux rayons lunaires pour pousser. Waouh, ça fait peur, on dirait une plante carnivore, son truc. Mon truc? S'il te fait peur maintenant, t'as encore rien vu. Attends un peu que la fleur s'ouvre et libère des centaines de graines. Chaque graine... se replantera dans le sol et donnera naissance à une nouvelle fleur et... Chacune de ces nouvelles fleurs libérera à son tour plus de graines qui donneront naissance à d'autres fleurs et... C'est votre plan ou le mien? Bientôt, il y aura tellement de fleurs de lune qu'il n'y aura plus la place pour aucune autre espèce de plante. Il faut qu'on élimine cette mauvaise herbe avant qu'elle n'envahisse toute la surface de la Terre. Qu'est-ce qu'il nous avait dit de faire déjà en colo pour se débarrasser des saletés de mauvaises herbes? Il suffit de les déterrer, c'est facile. Non, attends, une fleur de cette taille doit avoir des racines énormes. Il faut faire attention à toutes les enlever. Si on laisse ne serait-ce qu'une racine, elle repoussera pour former une nouvelle fleur de lune. Alors creusons tous en même temps. C'est ce qui s'appelle le jardinage selon Bibou. D'attraper plus que deux. Yo-yo, rapido! Glu-glu, méga muse! Je crois que j'ai une idée.
Cette plante pousse la nuit, on est d'accord? Donc si ça se trouve, elle n'aime pas la lumière. Imaginons qu'on l'éclaire plein phare avec l'astro-hibou, elle pourrait peut-être même rapetisser. Attends, pourquoi on ne la déterre pas comme j'avais dit? Moi aussi je m'y connais en jardinage, vous avez déjà oublié? Bibou, mais t'as même pas réussi à creuser. Avec la pelle, c'est vrai, mais je n'ai pas essayé avec les serres de l'astro-hibou. Je vais survoler la fleur et creuser depuis les airs, en évitant de me laisser entortiller dans ces lianes toutes collantes. Je vais pas lui faire de fleurs à Sorceline. Ah, parfait. Je vais l'embobiner, ce crâne de pierre. C'est le cas de le dire. Oh, je suis coincée. Encore. Oh, quel dommage. Non, Naïbou déplumé. Je te tiens. Glu, glu, méga muscle. Hey. Laisse mon ami tranquille, Sorceline. Dans tes rêves, cuisse de grenouille. Le feu, attention. Ça y est. Ah. Oh. Oh. Vas-y, fleur de lune, grandis et libère tes graines que tes pousses recouvrent chaque centimètre carré de la terre. Phew. Bon, donc creuser, je pense qu'on peut oublier. Si tu le dis. Hé, hey, je me demande ce qui se passerait si on arrosait plutôt la fleur. L'arroser? Mais l'eau fait pousser les plantes, pas l'inverse. Sauf que ce n'est pas une plante, tu sais bien. C'est une espèce de mauvaise herbe lunaire. Peut-être que si on l'arrose, ça la ratatinera. Attends un peu, ce tuyau vient de me donner une idée. On n'a qu'à le faire tourner comme un lasso et l'enrouler autour de la tige pour arracher la fleur. Bibou, je suis pas vraiment convaincue. Laisse-moi le tenter au moins. Même si je n'étais pas en colo avec vous, j'en connais un rayon en jardinage. Bibou, attends! Hein? Hé, hey, toi, l'enflumé! Et voilà! Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est l'arracher! Empêche Céline de me tirer dessus, yo-yo! Même si je n'avais pas appris en colo. C'est pas grave, Bibou. Et vous avez une nouvelle idée maintenant? Je vous écoute, je vous écoute vraiment. Réfléchis, Yo-Yo, réfléchis. Ces graines sont vraiment partout. Oh! En fait, ils vont surtout là où le vent les porte. C'est ça! C'est une idée géniale, Glu-Glu. Là où le vent les porte. La solution, c'est de faire en sorte que le vent souffle dans la bonne direction. Je sais ce qu'il nous reste à faire, mais je vais avoir besoin de vos talents en jardinage. C'est quoi alors ton plan? Suivez-moi, c'est l'heure d'être un vrai héros. T'es prêt, Glu-Glu? C'est l'heure de l'opération spéciale Vent Désherbant. Je suis prêt. Hein? Bibou, super tornado!
Normalement, les plantes adorent être arrosées et bien éclairées. Donc si ça se trouve, ces mauvaises herbes lunaires détesteront. Ça marche trop bien! Et le prix du plus beau tournesol revient à... Amaya! Wouhou! Ouais! Ouah! Je voudrais remercier Sacha et Greg pour leur conseil en jardinage. C'est grâce à eux que j'ai appris de combien d'eau et de lumière avait besoin une fleur. Non, vraiment, je partage cette coupe avec vous. Ouais! Champion! Gluglu sauve Noël! Oh, c'est dommage. Demain, c'est Noël et il n'y a toujours pas de neige. C'est vrai que ce serait chouette, mais on va quand même s'amuser. Wow, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui ne va pas, Greg? Demain, c'est Noël, tu devrais être content. Je ne suis pas content de patiner, c'est la première fois que j'en fais. Et je sens que je vais être mauvais. On va t'aider, allez, essaye. Ça fait partie de la magie de Noël comme le sapin. Oui, avec ses boules et ses guirlandes qui brillent. Quelles boules et quelles guirlandes? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus rien sur le sapin. Toutes les décorations ont disparu. Même l'étoile n'y est plus. Les décos de Noël étaient trop belles et en plus, il y en avait plein. Elles n'ont pas pu s'envoler comme ça. Quelqu'un a dû les voler hier soir. Mais comment ce quelqu'un a fait pour atteindre le sommet? C'est hyper haut. Il faut qu'on mène l'enquête. Et pour ça, pas besoin de patins en glace. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Sacha devient... Yo-yo! Amaya devient... Bibou! Greg devient... Glu-glu! Celui qui a volé les décos de Noël a dû grimper très haut. Il va falloir qu'on fasse pareil. Venez, on prend l'astro-hibou. Personne n'aura de paquet au pied du sapin. Sorceline, prends-nous tous ces cadeaux. Ils ne sont pas pour toi. Maintenant que je les ai volés, si, ils sont à moi. C'est mon Noël rien pour moi. Et je ne partage pas. Hé, si on lui prend son aérolune, elle ne pourra plus voler jusqu'aux cheminées. Bonne idée, Gluglu. On y va. Je vais la faire redescendre. Aile de la nuit.
Est-ce que ça va? Oui, je savais bien que je n'arriverais pas à faire de l'aérolune. Désolée. C'est pas grave, mais il faut qu'on la rattrape. L'astro-hibou est trop gros pour passer dans ses ruelles. Bibou, tu la rejoins en l'air. Et nous, on te suit d'en bas. D'accord, c'est parti. Pas si vite, sœur Céline. Tu ferais mieux de rendre ces cadeaux. Non, je crois que je ferais mieux de les garder. Mais viens les chercher si t'es si forte. Hé, c'est à moi, vieille chouette. Non, 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 non. Pyjamasque, j'ai besoin d'un coup de main pour la faire descendre. Yo-yo, acrobatant. Hein? Tiens, revoilà le sac à puce. Alors, voyons voir si les chats retombent toujours sur leurs pattes. Sorceline. Ça suffit, Sorceline. Fini de jouer. On dira que tu me cherches. Nom d'un hibou déplié. Bibou. On dirait bien que tu vas y laisser des plumes. Désolée. Yo-yo, acrobatant. Avec qui passer Noël? Mais c'est drôlement triste. Hé, pourquoi tu le passerais pas avec nous cette année? Avec vous? Oui, il faut qu'on aille rendre tous les cadeaux et redécorer le sapin. Viens nous aider. Et ensuite, on fêtera Noël ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Pourquoi pas? Monte avec moi alors. Il est l'heure de sauver Noël. Ouais! Ouais! Oh.
t'aider, Sorceline. Alors, tu peux récupérer ton aérolune et ton aimant. D'accord. J'imagine que vous allez me laisser maintenant. Ça veut dire que la fête est finie pour moi. Ne t'inquiète pas, on ne va pas partir tout de suite. Il nous reste une chose à faire. Tu ne trouves pas ça super beau, Sorceline? Si, si. Mais maintenant, la fête est vraiment finie. Et je n'ai même pas eu le droit à un cadeau. Bien sûr que si. Des patins à glace. Mais vous savez, je n'en ai encore jamais fait. Ce n'est pas grave, je ne sais pas en faire non plus. Mais on va y arriver. Allez, viens, il suffit d'essayer. Pyjamas, on crie ouah! C'est les nuits, on a sauvé Noël de tous ses tracas! Waouh! Ouais! Waouh! Hein? Hé, qu'est-ce qui se passe? Il neige! De la neige pour Noël! Attrapez un flocon avec votre langue! Le plan glacé de Gluglu. Qu'est-ce que c'est? De la glace? Mais on est en plein été! Les stalactites! Ça, c'est de la glissade! Il y a de la glace vraiment partout! Et tout le monde dérape sur le verglas. Mais regardez au bout de la rue, ce n'est pas du tout gelé. Qu'est-ce qui se passe? On va vite le découvrir. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit. Sacha devient... Yo-yo! Maya devient... Bibou! Greg devient... Glu-glu! Les pyjamas! La reptile au mobile peut coller à tout sans glisser. Ce serait parfait pour la glace. Et si on prenait un astro-hibou en survolant la ville, on verra ce qui se passe. Bonne idée, Bibou. Mais la reptile au mobile serait plus... Non, ils ont sûrement raison. Chut. Allez, Gluglu, une mission nous attend. Ce matin, maintenant, la moitié de la ville est gelée. Les chiens et les chats ont même arrêté de courir pour se tenir chaud. Wow. Qu'est-ce que c'est? Hibou Vision! Regardez là-bas, le labo de Roméo. Hé, je m'amuse comme un fou! J'étais sûre que c'était un coup de Roméo. C'est quoi, là? Le gros tuyau? Ah! On dirait une machine à glace! Rattrape-le, Bibou! Je me demandais combien de temps il faudrait au Super Zéro pour venir m'embêter! Qu'est-ce que tu fais, Roméo? Ça ne se voit pas? Je transforme la ville en montagne russe glacée pour mon nouveau labo toboggan! Mon labo toboggan! J'y suis presque. Wouhou! Roméo, si tu veux juste aller vite et t'amuser, je peux aussi me servir de mes méga muscles pour pousser ton labo sur ses roues. Je ne fais pas ça juste pour m'amuser, même si j'avoue que ça m'amuse.
Je fais ça pour que tout le monde soit trop occupé à glisser dans tous les sens pour m'empêcher de prendre le pouvoir sur la Terre entière. Roméo veut geler la Terre entière. Ah, mais c'est raide. Nom d'un hibou déplumé, impossible de passer, il faut se poser. Il faut qu'on arrête Roméo avant qu'il ne gèle encore plus de trucs. C'est vraiment super glissant. Merci Gligli. Moi je pourrais attraper Roméo avec mes glu-glu pieds collants. Pas la peine, Gligli. J'ai un plan qui va marcher à tous les coups. Oui, mais le mien est encore plus... J'ai besoin de vous. Il faut vite reprendre l'astro-hibou. Bon, ben mon idée attendra alors. Bibou, trouve Roméo grâce à ta hibou vision. Et ensuite, je compte sur toi pour qu'il ne nous remarque pas, Gluglu et moi. Hibou vision. Je l'ai repéré. On y va, Gluglu. Je vais me faufiler jusqu'au labo par en dessous et toi par au-dessus. Le temps que Roméo réalise qu'on est là, on lui aura déjà pris les commandes. Yo-yo, acrobasso! Ça devait être le vent. Aussi agile qu'une panthère, Yo-Yo saute sur le tuyau glacé et grimpe jusqu'en haut grâce à son... Wow! Grâce à son... Wow! Yo-Yo ne s'avoue jamais vaincu. Bon alors, t'en as mis du temps. Alors, Minet, tu veux jouer à chat glacé avec moi? C'est toi le chat. Fais attention, Yo-Yo. Je suis frigorifiée. Je ne peux plus bouger. Sors-moi de ce glaçon, Roméo. Bibou, je crois que j'ai la solution contre Roméo. Regarde. Pas maintenant, Gluglu, reviens ici. Yo-Yo, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous occupez pas de moi, Roméo s'enfuit. Vite, rattrapez-le. Super-héros, mais là, Yo-Yo est surtout un super glaçon. Il faut qu'on trouve un plan à nous deux, Gluglu, et vite. C'est justement ce que j'essaye de te dire. Moi, je peux... Hé, je viens d'avoir une idée. Je vais avoir besoin de toi. Mais avec mon plan... Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais accrocher ça au labo et toi tu tires avec tes méga muscles pour l'empêcher d'avancer. Oui, mais... Et là, on prendra le contrôle de la machine à glaçons. Vas-y, Gluglu! Attends! Tu ne fais pas le poids face à mon génie, Pyjaminus! Vous allez écouter mon plan.
Pour m'aider, il faut que vous cassiez un maximum la banquise de Roméo. Alors, prêt pour un flipper polaire? Hé! Hey, le plan de Gluglu pourrait marcher! C'est parti! On va briser la glace! Ouais. Hein? Ces pigeonnouilles sont en train de détruire mes superbes montagnes russes! Impossible de faire demi-tour maintenant! Je vais montrer à Roméo qui des deux est le roi de la glace! Gluglu, pied collant! Roméo, hein? Avec mes glu-glu pieds collants, je suis meilleur que toi sur le verglas. N'importe quoi! Mon labogon a été conçu par le plus grand des génies, moi! Alors si tu crois qu'un petit pot de colle comme toi peut mieux faire, tu rêves! C'est ce qu'on va voir! Allez, glu-glu! Attrape-moi si tu peux! J'ai peur de m'y accrocher. Mais où vous êtes? On dirait que Roméo a le cerveau complètement gelé. Je vous déteste, bande de pigeon-douille. On ne peut jamais s'amuser sans que vous cassiez tout. Je vous aurai la prochaine fois, les pyjamas. Oh, il reste encore beaucoup de glace. Mais si quelqu'un peut arranger ça avant le matin, c'est bien nous. Les pyjamas, on crie ouah. Cette nuit, on a réglé les tracas. De glace, et si on allait au parc? Et si on faisait plutôt du vélo? Mais ça serait plus marrant. Attendez, moi j'ai un super plan. Et si on allait au parc aquatique? Bonne idée, on y va. Wow. Oups, j'ai oublié un morceau de verglas. Yo-yo et les nuages. Chat, et je vais t'attraper. Chat, ils ont horreur de l'eau. Mais nous, on adore ça. Allez, venez nous arroser. Qu'est-ce qu'ils ont à tous aimer se mouiller? Enfin, c'est juste de l'eau, Sacha. Je sais, mais moi, je préfère jouer à chat. Ouais. Tu devrais peut-être essayer de te mouiller un peu, non? Ça rafraîchit. Mais j'ai pas aussi chaud. D'accord, tant pis pour toi. J'arrive! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hé, où est passée l'eau? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il fait froid tout d'un coup. Et si ces nuages bizarres ne partaient pas et qu'on ne pouvait plus jamais jouer dehors? Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Il faut absolument qu'on trouve d'où viennent ces nuages. On n'a qu'à suivre les tuyaux. On arrive directement à la cuve où ils mettent l'eau pour l'arrosage. Mais maintenant elle est vide. Les nuages noirs devaient sûrement être dedans. Mais qui les aurait mis là? Mais c'est un papy nuit. C'est Sorceline. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-yo! Ah!
ces nuages nous gâchent notre été, il faut trouver Sorceline. Et si on retournait faire un tour à la cuve? On trouverait peut-être un indice. Tous au chabolide! Allez venir m'embêter. Dès que je fais quelque chose, vous débarquez. Pourquoi est-ce que tu fabriques tous ces nuages noirs? On n'a pas pu jouer aujourd'hui. C'était bien le but, fils de grenouille. Si moi je n'ai pas le droit de profiter de l'été pour m'amuser, alors je vais empêcher le soleil de briller avec mes nuages noirs pour que vous ne puissiez plus vous amuser. Mais tu pourrais jouer avec nous. Hein? Chat. Passez une bonne journée à jouer au soleil avec des super zéros comme vous. Aujourd'hui, c'était juste un test. Mais demain, quand la cuve sera pleine, je ferai sortir tous ces nuages en même temps. Et ce sera la fin de l'été. La fin de l'été? Mais ça va être horrible. Vous deux, vous faites diversion et moi, je vais essayer de lui prendre son aimant lune. Et au lieu de fabriquer des nuages avec, je vais les aspirer. Ah ouais. Comme ça, tu crois que tu peux me voler mon aimant lune, hein, Yo-Yo? Tiens, regarde ce que j'ai pour toi. C'est pas des nuages qui vont m'arrêter. Oh. Sauf que je sais très bien que les chats détestent l'eau. Alors j'ai fait des nuages de pluie. Pouvoir de la lune, envoie ces nuages au-dessus de Yo-Yo. Ne vous inquiétez pas, faites comme on a dit. Je peux assurer. D'accord, Yo-Yo, sois fort. Je suis pas sûre d'assurer. Je peux y arriver. Oh! Oh!
en empêcher. Tant que tu continueras à faire le pauvre chaton qui ne veut pas mouiller ses petites papattes, tu ne pourras rien contre moi. Ça veut dire que j'ai gagné! J'ai gagné! Wow! Nuage, alignez-vous et encerclez cette boule mouillée! Oh! Oh non! 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 Ha! Maintenant, je peux retourner remplir la cuve de nuages! Pouvoir de la lune! Fabrique plus de nuages! Et mets-les dans la cuve! Ha! Hé, Yo-Yo! Aide-nous! Je ne peux pas la laisser faire! Je préfère encore être mouillée et détester ça que de laisser tomber mes amis! C'est l'heure d'être un vrai héros! Yo-Yo, rapido! J'arrive, les pyjamas! Plus rapide que l'éclair, waouh! L'incroyable Yo-Yo court sous les nuages, waouh! Il les oblige tous à le suivre! Waouh! Attends, qu'est-ce que tu fais? T'as voulu me mouiller, Sorceline! C'est à ton tour! Je vais aspirer les nuages avec. Oui, ça marche. Glou, glou, vite, aide-moi à nous débarrasser des nuages qui sont dans la cuve. Je m'en charge, Yo-Yo. D'être mouillé, du moment que c'était pour sauver mes amis. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Je vais vous attraper! Les jets d'eau! Oh non! Alors, tu détestes toujours ça? Oui. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas vous arroser! Bibou et le train supersonique. Allez les gars, dépêchez-vous! Pourquoi tu es excitée comme ça, Maya? À cause de la nouvelle attraction de la fête foraine, le super train supersonique. Hier j'ai vu qu'il le testait et il allait hyper vite. On va avoir l'impression de voler. Trop bien, moi aussi j'adore la vitesse. Wow, apparemment tout le monde veut faire un tour. Normal, c'est le train le plus rapide du monde. Venez, il faut que vous voyez ça. Hé, hey, on était là en premier, fais la queue. Amaya? Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons le plaisir de vous annoncer que le super train supersonique est à présent... Oh, volatilisé! Où est le train? Il n'a pas pu disparaître comme ça. J'avais trop envie de faire un tour dedans. Mais comment un train peut disparaître? Hein? Les trains roulent sur des rails, pas vrai? Il y a beaucoup de looping, mais c'est quand même un circuit fermé, non? Mais du coup, comment ça se peut que le train soit sorti de ses rails? Regardez! On dirait qu'il y avait d'autres rails. Mais le chemin s'arrête là. Des rails qui disparaissent. Encore un méchant qui a fait le coup. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Greg devient... Glu-Glu! Sacha devient... Yo-Yo! Amaya devient... Bibou! Bibou!
doit rester au sol. D'accord, t'as raison. Je suis pressée qu'on retrouve le train, c'est tout. Je sais, on prend la... Chabolide, et hop, en vitesse. Elle est toujours impatiente. Allez les gars, on y va. Je cherche, mais je ne vois rien. Attends, Bibou. On avait repéré des marques de rails ici, tu t'en souviens? Donc si on suit ces traces, on retrouvera le train. Oui, vite, Bibou. C'était le labo de Roméo? Je crois bien, mais on dirait qu'il ne tenait pas en place. Peut-être qu'il a... Les gars, on s'en moque de Roméo. S'il est dans son labo, ce n'est pas lui qui conduit le train. Et nous, c'est le train qu'on cherche. Allez, on y va. D'accord. Il n'y a pas de traces de rail. Comment on va retrouver le train? Hibou Vision. Je vois quelque chose devant nous. Quelque chose de très rapide. Il est là. Le train. Alors, je t'avais dit qu'il était rapide. On va découvrir qui est au volant. Roméo ! Tiens, mais voilà les pyjamas. Mais tu étais au volant de ton labo. Non, ce n'était pas moi. Personne ne le conduit. Cette idiote de machine a eu un court-circuit et s'est envolée toute seule. Heureusement, j'ai volé ce train super rapide pour pouvoir la rattraper. Et tous ces rails alors, d'où est-ce qu'ils viennent? Facile. C'est grâce à mon invention, l'extraordinaire Roborail. Il installe des rails à n'importe quel endroit. Wow, c'est super classe. Et ce qui est encore plus classe, c'est qu'il y a un système à l'arrière qui ramasse les rails pour les remettre devant. Mais Roméo, tu n'as pas besoin de ce train. Nous, on peut rattraper ton labo si tu veux. Vous croyez que je ne vais pas vouloir garder ce train après? Vous rêvez. Quand j'aurai repris les outils dans mon labo, je les bricolerai pour aller encore plus vite. Et je serai le méchant le plus rapide au monde. Voilà enfin mon labo. À bientôt les pyjamas. Vous venez de rater le train, on dirait. Qu'on l'empêche de rattraper son labo, sinon il va rendre le train supersonique encore plus dangereux. T'en fais pas, Bibou. Roméo va voir de quoi sont capables les pyjamas. Pilote automatique. On y est. Et wow, ce train est super cool. J'arrive enfin à hauteur de mon précieux laboratoire. Hein? Les pyjamasques ne risquent pas de me rattraper avec leur turbochat qui roule comme un escargot. Allez les pyjamasques, on va arrêter Roméo. Bibou, aile de la nuit. Bibou. Oh, j'ai failli me prendre une branche. Merci Yo-Yo. Ça ne sert à rien de foncer, on va y arriver. Hey. Ce coup-ci, on devrait y aller tout doucement pour prendre Roméo par surprise. Pourquoi faire? Dépêchons-nous! Bibou! Je vais bien! Hein? Ces pyjamas que ne sont pas à bord de mon train, quand même. Je ferais mieux de les semer. Je suis désolée. Roméo a dû entendre qu'on était à bord du train. C'est pas grave. Changement de tactique. On va tous attaquer Roméo en même temps. Ensemble, on sera plus fort. Je compte jusqu'à toi. Et on saute sur lui. Un, deux... Et c'est parti. Bibou. Non, attends. Pourquoi je n'ai pas écouté Yo-Yo et Glu-Glu? Roméo est sur le point de rattraper son labo. Tout ça parce que je me suis précipitée. Bibou! Tu vas bien? Oui, je suis désolée. À
chaque fois que vous avez un plan, je fonce sans vous écouter. Et je fais tout rater. On ne t'en veut pas. Si tu fonces, c'est parce que tu es impatiente qu'on essaye le train. Laissez-moi m'occuper de ce robot à tentacules. Glu glu, méga muscle. Ce coup-ci, c'est moi qui ai un plan. Mais pour qu'il marche, il va falloir que je prenne mon temps. C'est l'heure d'être un vrai héros. Ouais. Alors, vous faites bon voyage, les pyjamasques? Plus pour longtemps. Vite, dis-nous ton plan, Bibou. On va stopper ce train pour de bon. Et il faut qu'on le fasse ensemble. Yo-Yo, tu vas aller chercher des branches d'arbres. Glu-Glu, faufile-toi jusqu'à l'avant du robot-rail. Bien reçu, Bibou. Ensuite, ce sera mon tour. Je t'apporterai les branches en volant et tu pourras t'en servir pour bloquer le robot-rail et arrêter ce train. S'il n'a plus de rail, Roméo ne pourra jamais rattraper son labo. Je suis sûre que ça va marcher. C'est une super idée. Il faut juste que j'attende mon tour. Parce que c'est à vous de jouer en premier. On y va, pyjama! Oh, oups, j'allais oublier. Doudou. Vas-y, Yo-Yo. Moi, je vais... attendre. Je compte sur toi, robot-rail. Encore des rails. Encore. Yo-Yo, acrobatant. Je vais y aller en douceur. Bien joué, Bibou. Hein? Arrêtez ça, bande de super zéro. Trop tard, Roméo. Yo-Yo, dépêche-toi de bloquer le robot-rail. Merci, Amaya. Je peux attendre. Amusez-vous bien. Il paraît qu'il va super.